Salut, salut, salut à tout le monde, salut mes frères Ivoiriens, salut. Je sais que vous m'attendez, je sais que vous attendez le live, mais depuis que je suis rentré de mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu. Je suis busy, busy, busy. Donc, ce n'est pas évident de faire le live, mais je vais vous revenir. Je sais, j'ai trop de emails. On dit qu'on attend, on attend, on attend. Je ne pouvais pas m'abstenir quand il y a un problème, surtout de mes deux artistes que j'adore en Côte d'Ivoire. Le Mimi, le Mimi, le Mimi et de Bordeaux et Serge Benoît. Ça, c'est mes deux artistes. Que quand on les touche, moi, je les touche. Donc, j'ai vu une vidéo de Bordeaux qui m'a vraiment interpellé. J'ai dit, en tant que frère ivoirien, j'ai dit qu'il fallait que je donne mon avis, quoi. Donc, ce n'est pas évident. J'ai vu cette vidéo-là, ça m'a trop tellement touché que je ne pouvais pas passer. Suivons la vidéo et puis on va parler un peu. Hier, j'ai fait une sortie concernant Castelfour. De mon assistance, une personne en danger. Voilà. J'ai été clair, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Non, je me pose aussi cette affaire. S'il réagit, il réagit. S'il réagit, j'y Moi, il est réagis. calme, tout est calme. Il dit ce qu'il pensait et puis il passe à autre chose. Ici, on pose. Si on s'aguerre, il attend. Il attend seulement. Voilà. J'attends. J'attends. Voilà. Regardez la photo là qu'on a postée. De toute façon, c'est Ceux qui fini. ont compris ont compris cette Cette photo là. collaboration Ceux qui ont compris ont hypocrite compris. C'est tellement où tu crées spirituel. tellement une personne, tu mets la personne au côté, à côté de toi, à tes côtés, ou mieux l'étouffer, l'endormir. Et comme tu ne dors pas, tout a été démasqué. Et voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas du genre à me laisser marcher là-dessus. Je ne vais pas commander l'amour d'une quelconque personne. Non. Je suis pété et fier. Ah, je suis fier. Et je suis dans la vérité. Bon, pour le moment, personne ne croit en Debordeaux. Vous savez, quand je démarre, je me lance, je fais des déclarations. Personne ne me suit. Mais ne vous inquiétez pas. Tontine qu'ils ont créé là. Chacun va goûter ça. Feu, tu dis avant d'écouter. Nous, on riait. On dit là, ça te loupe, ça te loupe, ça te loupe, ça te loupe, ça te loupe. Tontine est venue tomber sur moi. C'est tombé sur Jeans VDA. Les influenceurs qui bavardent beaucoup, beaucoup là. Franchement, j'ai écouté vos conseils. Oui. Il y a quelque part des vérités. Mais en même temps, il y a de l'ignorance. Dans ce que vous sortez. Vous ne savez pas plein de choses. Vous savez. Il y a des gens qui ont un comportement, c'est-à-dire officiellement, ils s'attribuent une image. Mais officieusement, il y a une vérité. Il y a la vraie personnalité. Comme je le dis, je m'impose. Et puis j'attends. Dossier comme Papo, dans sa faute, c'est dans ma main, il attend. C'est dans ma main, j'attends. Voilà. Et c'est pas que je parle ici à Abidjan. Vous avez compris, non? Debordeaux vous dit, quand vous voyez d'abord la photo là, vous voyez Sidi qui est assis sur les genoux de Assalfo. Ça dit beaucoup de choses. Vous connaissez que j'ai causé. Vous avez vu la photo de Junior, de Arnaud Jaguar. J'étais avec Arnaud Jaguar à Abidjan. Je vous ai montré la photo où on a causé. Donc, quand Debordeaux dit, on a mis cette photo,
Cette photo dit beaucoup de choses. Et quand il dit que il a beaucoup de papo, quand il dit qu'il connaît beaucoup de choses, et quand il dit que les influenceurs parlent, les gars, vous ne comprenez pas. C'est très loin. Il ne peut pas tout dire. On l'a bloqué. On l'a bloqué partout. On a bloqué. De Bordeaux à une canne. De Bordeaux et Serge Benoît. Surtout de Bordeaux, je parle parce que je n'ai pas vu de Bordeaux. De Bordeaux, c'est quelqu'un qui a connu Sidiki. Parce que je me rappelle, quand Arnaud me parlait, comment il m'a montré les photos de Sidiki quand Sidiki venait dans le studio quand il était à Arafat. Je vous dis que De Bordeaux a beaucoup de choses. Quand tu es une star, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu vis et que tu ne peux pas t'exprimer. Tu as peur. Suivez un peu ce que dit Yara. Vous pensez que De Bordeaux est en train de déprimer. Suivez un peu ce que dit Yarafa avait dit. Suivant. Dis-moi, c'est faux. On n'y a pas de preuves. Tu dis que c'est pas toi qui as fait l'artiste, l'affiche des artistes qui devaient rester pour la balle. Voici la programmation des artistes qu'il y avait. Voici la programmation des artistes qui doivent prester, qui devaient prester pour l'événement qui aura lieu ce samedi. Vous voyez bien, il y a Serge Benoît dedans. Tu dis que c'est pas toi qui as fait le programme. Mais, Gaou Production, moi, voilà là, c'est quoi? Est-ce que vous voyez bien? On va bien? Vous voyez bien? Gaou Production, j'étais dans cette liste d'artistes. Et tu m'as enlevé. Vous avez compris, non? Il dit qu'on a mis une affiche. On a mis l'affiche avec son nom. On est venu, on l'a enlevé. C'est le même gars qui gérait. On l'a enlevé dans cette affiche. Il a clamé ici, sur la toile. Que pourquoi il a fait un live. DJ Arafat avait fait un live. Il a montré, vous avez vu, il a montré que son nom était dans l'affiche. On l'a enlevé. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que tout le monde est obligé de céder à vos désirs ou vos plaisirs? Pour que vous les aidez. Les artistes souffrent. Les artistes souffrent. Ça, c'est son gagne-pain. Quand je vois des gens dire que De Bordeaux ne travaille pas, De Bordeaux va travailler quoi? C'est ce qu'il fait. Un manager, c'est son travail. C'est celui qui paye les frais de studio. C'est lui qui doit payer les frais de studio. Si tu as décidé de travailler avec De Bordeaux, tu ne dois pas. C'est toi qui dois trouver du boulot à De Bordeaux. C'est toi qui vas trouver des featuring à De Bordeaux. C'est toi. Mais quelqu'un comme lui, comme Asafo, c'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un qui a qui peut faire des featuring avec des grands artistes internationaux. Maintenant, vous avez fait ce que exactement ce que Didier Arafat fait. Vous avez fait à Didier Arafat. Et De Bordeaux, c'est un artiste. De Bordeaux, quand Didier Arafat, vous avez vu la photo qu'il a. Vous avez vu, il a posté une page. Il a posté dans sa page que Didier Arafat, la justice là, on va te venger. De Bordeaux sait ce qu'il est en train de courir. Il sait qu'il est en train d'aller dans la lignée de Didier Arafat. Et nous tous, on connaît ici qu'à l'époque là, ce qu'il faisait avec Didier Arafat, c'était juste le travail, c'était du game. C'était du game. Mais c'était quelqu'un qui savait ce qui se passe. Didier Arafat avait pris ça à un degré. Quand il dit qu'il connaît, que lui il est là, c'est Dieu qui le protège. Il a une dignité. Il ne peut pas vendre sa dignité. Il préfère être ce qu'il est. Vous n'allez pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne peut pas faire. Tous les autres récidives qui sont cédés parce qu'ils connaissent, ils savent ce qu'ils font. Mais quand tu. De Bordeaux ne veut pas. Il a dit que il a tous les papos. Donc quand un artiste à ce niveau
qui fait ça, c'est le ras-le-bol. Ce n'est pas la dépression. C'est parce qu'il n'a plus, on est en train de prendre ce qu'il a de chair. On est en train de vouloir l'arracher entre ses mains. C'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain. Un débordé de son standard à la canne, on devrait le mettre quelque part. C'est quand même une star. Moi, je vais dans une, quand je vais dans un événement camerounais, on connaît mon standard. On doit quand même dire que Bertini est là. Quelque chose comme là où j'étais là tout à l'heure. C'est Desbordeaux, la canne est passée. On n'a même pas parlé de Desbordeaux. Et c'est normal ça. Et Desbordeaux travaille avec quelqu'un comme Assafou. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Mais je ne vais pas tout dire ici. Pour ceux qui me suivent, j'ai toujours parlé des artistes. J'ai toujours parlé de ce qui se passe dans le monde des artistes. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où c'est grand. Dans des pays où le showbiz est avancé, ces gens-là vivent là-dedans. Ces gens-là vivent dedans assez. Et beaucoup de talent. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui a beaucoup de talent. Ça serait clair. Ça serait clair. Donc quand vous voyez Desbordeaux, ce n'est pas la dépression. C'est le ras-le-bol. Et vous voyez que quelqu'un qui a travaillé avec un artiste qui a fait la même chose que Desbordeaux et qu'il est mort. Qui a fait la même chose que Desbordeaux en train de courir. Suivez ce que DJ Arafat avait dit. Ici, en ce moment, en Côte d'Ivoire et à Abidjan, voilà, leur objectif, c'est de m'assassiner. Assassiner, comment on assassine quelqu'un? C'est lorsque tu lui coupes les vives. Lorsque tu essaies de lui faire porter le chapeau, lorsque tu essaies de faire passer cette personne pour le méchant. Je ne sais même pas c'est pourquoi en plus. Je ne sais même pas c'est pourquoi parce que moi je ne sais pas ce que j'ai fait au grand frère Assalfo. Hein. C'est sûr, sincèrement. Et si je passe par par mon Facebook pour lui parler, c'est parce que un, j'ai pas son numéro. De deux encore, j'ai pas envie d'avoir son numéro. De trois, ça fait un bout de temps que je suis dans mon coin, je dérange personne. Mais vraiment, trop c'est trop quoi. Trop c'est trop, et quand je me mets devant cette vidéo pour vous parler, c'est que c'est parce que c'est vraiment trop. Vous avez compris, non? Il dit trop c'est trop. Desbordeaux lui-même a dit ça. Il a dit la même chose que je suis à Abidjan d'aller me chercher. Il prie Dieu parce qu'il sait. Et DJ Arafat a dit la même chose parce que c'était de ras-le-bol. DJ Arafat disait toujours ici qu'on l'a coupé partout, coupé dans toutes les chaînes. C'était la. Vous allez appeler ça, on peut appeler ça la dépression, c'est parce que lui-même ne peut pas comprendre ça. Mais sans vous mentir, tu arrives à un niveau, quand tu as ras le bol, tu peux arriver à une dépression. Parce qu'on est en train de prendre ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous voulez qu'il aille travailler, c'est son boulot. Et c'est quelqu'un qui a du talent, ça veut dire que chaque manager peut l'avoir. Dans le monde des artistes, c'est ça. Tu as un parrain qui a ses désirs, ses plaisirs. Il peut te demander des trucs que tu ne veux pas. Il peut te demander des trucs que ce n'est pas ce que tu veux. Mais il y a des artistes qui cèdent. Il y a des artistes qui disent que jamais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il a écrit, DJ Arafat, on va te venger. Je vais te venger. Ça veut dire que là où il est là, il a dit qu'il a tous les papos. Desbordeaux a beaucoup à dire. Et Desbordeaux a beaucoup à dire. Desbordeaux, quand il va le dire, ça serait sa fin. Ça serait sa fin. Et il ne pourra pas le dire. Et ça va le ronger. C'est des trucs que tu ne peux pas dire. C'est des contrats que tu signes que tu ne peux pas dire.
on ne peut rien faire. Je vous demande de soutenir ce gars. Soutenez des Bordeaux. Ce gars a des choses. Vous vous rappelez quand Arafat est mort, comment ça l'a touché? Parce qu'il a vu, il savait ce qui se passait. Il savait tout ce qui se passait. Il savait que après Arafat, c'est lui qui va suivre. C'est lui ils étaient que deux, des Bordeaux, Arafat. Tous ces jeunes qui viennent là, c'est les jeunes. Donc quand Arafat part, on prend le prochain. C'est des Bordeaux. Vous voulez signer sur Mimi, mais il y a Dieu dedans. N'allez pas le faire ça. N'allez pas faire ça. Je le soutiens. Et je demande à tous les Ivoiriens de le soutenir. Ce gars a beaucoup à dire. Mais il ne peut pas le dire. Le jour où il dit, ça devient compliqué. Vous avez vu, le jour où Kabré Nandji a commencé à parler, c'était sa fin. Le jour où Arafat a commencé à parler, c'était sa fin. Desbordeaux, sois fort. Sois fort, le Mimi. Parce qu'il y a Desbordeaux. Après Desbordeaux, ça serait Serge Benoît. Voilà les artistes. Voilà les artistes qui étaient dans le game. Depuis Doussaga, Arafat, Serge Bono, Desbordeaux, Serge Bueno. Les Ivoiriens, soutenez vos artistes comme vous avez toujours fait. Ne laissez pas les gros poissons manger les petits poissons. On ne peut pas tout dire ici. Vous avez vu la photo qu'il a postée de Sidiki sur les genoux de Assafo. C'est une photo de beaucoup pour ceux qui peuvent réfléchir. Mais ce n'est pas nous à le dire ici. Mais vous pouvez, avec votre imagination, vous pouvez savoir ce qui se passe. On n'a pas posté la photo là pour rien. Cette photo là n'est pas là pour rien. C'est pour que vous réfléchissiez. C'est du showbiz. C'est du showbiz. Alors mes frères ivoiriens, mes frères, c'était juste un coup de soutien pour le Mimi. Je le soutiens toujours, je le soutiendrai toujours. C'est quelqu'un de bien. Vous n'allez pas commencer à dire qu'il fait des clashs, il fait des clashs. Même à l'Écosse, même un papa, quand un papa a un enfant qui bavarde beaucoup, si l'enfant apporte des bons résultats, où est le problème? Le gars chante bien. On ne va pas prendre les prétextes pour dire qu'il fait trop de clash. Il clash même avec qui? Desbordeaux, à quel niveau de clash? Ah, clash encore avec qui? Le seul clash, son niveau de clash était avec Arafat. Arafat est parti. Desbordeaux ne clash même plus. Desbordeaux clashait. Desbordeaux s'est senti même... il se sent moins. Parce que son niveau d'artiste avec qui il clashait n'est plus là. C'était Didier Arafat. Et Desbordeaux sait ce qui se passe. Il ne peut même pas parler. Desbordeaux connaît beaucoup de choses. Mais ça serait difficile pour qu'il parle. C'était Bertini. Et puis Los Angeles. Les gars, je veux revenir dans le live. C'est un peu compliqué le boulot. C'est compliqué pour faire un live. Parce que je ne peux pas faire un live quand il y a moins de personnes. Et les week-ends, quand vous êtes tranquille, je pourrais faire le live. Mais je n'ai pas pu faire un live aujourd'hui, mais je fais cette vidéo-là pour être en connexion avec vous. D'un vrai, tu vois. Ouais, non. On est ensemble, les gars. Soutien à Desbordeaux, le Koumfa. Soutien au Mimi. Soutien à Serge Benoît aussi. Love and peace.